Voilà, j'espère que l'image rendra bien. J'ai été obligé de changer de batterie de la GoPro, car même si je ne l'ai pas utilisée ce matin, avec le froid qu'il fait, elle s'est déchargée. Voilà, donc je ne vais pas perdre trop de temps en explication. Je suis dans un endroit où j'aimais beaucoup emmener mon père quand j'étais petit, en plein milieu de la forêt de l'Altiport de Méribel, dans un hors-piste qui n'est pas très connu, et qui est très sympathique. J'espère que ça rendra bien pour vous. Je déchausse pas, car il y a plus de 30 cm de neige et je pourrais pas remonter sur mes skis. On va essayer de pas mourir. Mais si c'est le cas, au moins vous aurez une vidéo posthume. En avant! C'est un peu du ski de fond. Je crois me souvenir, mais ça doit faire au moins 25 ans que je suis pas passé par là. Comment dire que ça a un peu changé depuis le temps. Et c'est véritablement splendide. La nature, 100% avec de la belle neige. Je vous embête pas bien longtemps, mais je voulais juste vous faire profiter de ce magnifique décor de Noël. Regardez un peu autour de vous. Là, je dois être à 500 mètres de la première personne vivante, paumée dans la forêt. Tout est fermé aujourd'hui dans la station. Énormément de pistes sont fermées en raison des intempéries et du vent. Du coup, c'est aujourd'hui ou jamais. On va essayer, je sais pas par où, je sais plus si c'est par là. Ou par là, on va voir, c'est au spawn, de toute façon on a toute la journée. Ah, j'ai pas été le seul à passer par là, tiens. Tiens, il me plaît bien ce petit chemin, on va y aller. Allez, en piste, mauvaise troupe. Que du bonheur. C'est véritablement merveilleux. Ah, et un gars qui a fait une piste en dessous. Bah chacun sa piste. Hein. De toute façon, je crois que je vais finir par y arriver à la sienne. Allez, si je meurs pas avant, ce qui n'est pas gagné. Ah, voilà sa piste. Qu'est-ce que vous en pensez de mon petit hors-piste? Je sais pas si vous voyez grand-chose, ni même si vous entendez grand-chose de ce que je dis, mais c'est véritablement merveilleux. On y retourne? Qu'est-ce que t'en penses, l'arbre? Ça veut dire un oui, ça. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Hop. Hop. Bien sûr, par contre j'ai plus 15 ans moi. Bon, adieu. Hop. Allez. Quand je pense à mon pauvre papa que j'emmenais ici, il était un peu plus âgé que l'âge que j'ai maintenant. Mais je commence à comprendre pourquoi il faisait la gueule quand je l'emmenais ici. Wouh ! Hop là ! Hop !
Yes. On remerciera le pisteur qui nous a tracé tout ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Si mes calculs sont exacts, outre le fait que je sens que je vais être obligé de me taper une remontée à pied, quoique, peut-être pas, on va essayer de tricher. Oh, bonhomme de neige. Mais si mes calculs ne sont pas complètement foutus, on devrait arriver du côté de l'altiport de Méribel. J'espère, oui. Je vois très bien où je suis. Ça va, je suis pas complètement gâteux encore. La civilisation, promis, je vous libère dès qu'on voit une piste. C'est pas une piste, c'est une sorte de machin, mais c'est pas vraiment une piste. Hop, hop. Hop. Ah, j'ai vu des humains. Je ne suis point perdu. Oui, la civilisation. C'est nul, je vais rentrer dans la forêt. Allez, je vais vous libérer. Hein. En arrivant, on se rend plein sur l'altiport. Avec tout ce vent, je vous libère. GoPro, arrêtez vidéo. Ça marche jamais. GoPro, arrêtez vidéo.